J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz. Alors qu'elle est actuellement en vacances à Mykonos, en Grèce, avec son mari Laurent, la jeune femme a vécu un moment très désagréable. Tout à l'heure, Jazz était au restaurant avec son assistant Emine quand elle s'est violemment embrouillée avec une jeune femme qui a voulu la frapper. Sous le choc, Jazz raconte tout et elle soupçonne même cette personne d'avoir été envoyée par Marc et Nadé. La jeune femme en question a également donné sa version des faits tout à l'heure sur Snapchat et dévoile une partie de son embrouille avec Jazz. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous raconte une petite péripétie qui vient de m'arriver parce que je me dis qu'on est vraiment dans un monde de fou. Alors comme vous savez, d'habitude quand je vais en France et tout, je prends toujours des agents de sécurité, etc. Mais là, en fait, on est venu à Mykonos, j'avais envie de venir entre potes avec mon mari en fait. Mon mari, mes potes, j'ai pas pris d'agent de sécu, je me suis dit on a la cool, on est entre amis, bref, on s'en tape. On est dans un restaurant, on est en train de manger, tout le monde part faire du jet ski et puis moi et Mine, on reste à table, on continue à manger. Et derrière moi, il y a un couple et une meuf qui me filme. Et quand elle me filme, bah moi, je fais un sourire à la caméra parce que bah, quand les gens ils me filment, c'est normal. Je suis une personne publique, on me filme, c'est normal, c'est cool, on me demande une photo, c'est cool et tout. Donc je fais un sourire à la caméra. Donc du coup, là, elle me dit, déjà, je peux te poser une question. Je lui dis oui. Et là, elle commence à me poser des questions négatives. Et je lui réponds, à partir de là, on n'a rien à se dire. Et je pars, je repasse, elle est là, elle se fout de ma gueule, elle rigole, je sais pas quoi, elle gesticule les mains. Donc je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle vient sur moi, la meuf, elle veut qu'on se batte. Voilà, et son mec, il continue à me filmer ou je sais pas ce qu'ils font. Et elle me dit, tu connais la liberté d'expression, je sais pas quoi. J'ai dit, mais y a pas de liberté d'expression, en fait, tu me filmes pas pour me poser. Du coup, vraiment, elle me pousse à bout, genre, elle veut vraiment se battre. Genre, elle est là, ouais, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, et tu vas faire quoi, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle me dit. Bah, moi, en fait, les amis, tout ce que j'ai fait, c'est faire demi-tour. Alors, c'est vrai que parfois, bah, nous, les femmes, ça peut nous, on peut se sentir, genre, humiliés de faire ça, mais en fait, en vrai, c'est la bonne solution. J'ai des enfants, je suis une mère de famille, je vais faire quoi? Elle veut qu'on se batte là sur une plage privée ou alors que je suis en train de dîner avec mes amis tranquillement. Elle, je comprends pas, elle est censée être en vacances à la cool avec son pote ou avec son mari ou je sais pas qui. Et en fait, elle veut se battre. Donc moi, ben non, je suis partie, j'ai marché, elle m'a suivie jusqu'à mes transats. Mais en fait, ce qu'elle voulait, c'était peut-être qu'on se batte, qu'elle fasse une vidéo, qu'elle sorte une vidéo. Diaz et moi, on s'est battus, je sais pas quoi. Mais ça, je le donnerai jamais, les amis. Je conseille à toutes les mères de famille, à toutes les femmes, quand vous vous faites embrouiller dans la rue, faites demi-tour, barrez-vous. Ne croyez pas que vous êtes inférieur, c'est juste que vous êtes supérieur justement en fait. Vous n'avez pas le temps pour ça. Parce qu'en fait, dans quel monde on vit? On doit se battre avec les gens pour un tout, pour un rien. Je suis pas d'accord. Voilà, donc je voulais vous le raconter parce que en fait, en l'espace de 20 minutes que ça s'est passé, il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé pour m'en parler. Qui apparemment a été envoyé par Pierre, Paul, Jacques. Bref, encore une histoire de fou. Mais ça a duré 10 minutes, mais c'est pas grave. Au moins si la vidéo elle sort, ben, au moins je me suis exprimée avant. Et sachez que vraiment, encore une fois, je dis à toutes les femmes. Et nous, on n'est pas des hommes. Hein. Moi, j'ai pas fait l'armée. Je suis mère de famille. Je suis en pisse avec mes potes. Je profite de mes vacances. Et jamais de la vie, et je le dis pour toutes les autres qui peut-être un jour ça leur viendra à l'esprit, jamais je vais me donner en spectacle devant tout le monde. Jamais je vais me battre avec vous dans des lieux publics ou pas publics. Parce qu'en fait, j'ai passé l'âge de tout ça. J'ai 28 ans. Voilà. Il y a la traite de Jazz. Hein. Regardez. La tête. Voilà. Est-ce que je vais la voir ou quoi? Je vais la voir ou quoi? Regardez à qui. Jazz la traite à Mykonos. Wow. Hey Jazz. Te regarde. Non, ça snap. Mais Jazz, ça va? Je sais pas, me raconte quoi, je sais pas si on me raconte en fait. Après, elle est partie. J'ai déjà arrêté de faire la manie et tout. Bref, on s'embrouille. La meuf, elle se casse. Elle dit, attention, tu vas voir, tu vas pas assumer. Je la suis jusqu'à la plage.
elle est repartie à sa place, à la plage, je pense qu'elle est partie voir son mec là, son petit mec là, le dog. Moi je reviens parce qu'ils nous ont pas servi à manger. Voilà qu'à revenir seulement, voilà elle est folle. Voilà Jazz, elle est folle, complètement folle. Cette pute avec son faux sac genre, un faux sac genre que vous allez tout user. Non là je suis obligée de vous raconter, c'est trop marrant. Donc après qu'elle ait fait la chaude là, vous avez vu, elle a fait la chaude et tout. Genre moi je me suis levée, nanana. C'est embrouillé avec elle. Qu'est-ce que j'ai mangé la tarte, c'est pas moi. Voilà, j'ai mis là la tarte de cow-boy. Elle s'est cassée, elle a dit de toute façon tu vas voir, tu vas pas assumer. Elle est partie s'asseoir à la plage là. Moi du coup elle est revenue avec son mec. Comme ça mon mari l'aurait botté son mec. Et malheureusement elle est pas revenue avec son mari. Elle a parlé à... Tu sais ceux qui gardent la plage là. Genre comme la sécurité, mais c'est pas la sécurité. Ceux qui donnent des places et tout sur la plage, qui surveillent le resto, bah eux. Il est venu me voir, il m'a dit oui, pourquoi, nanana, tout ça et tout. J'ai dit écoutez, c'est pas votre problème. C'est un problème de Paris, c'est pas un problème de Grèce. C'est ça, j'ai dit, tu vois. Puis voilà. En gros, il est venu calmer le truc, j'ai dit ça sert à rien. Bref, j'ai payé mon addition, je me suis cassée. Et voilà. C'était grave marrant. Elle s'est chiée dessus. Et voilà, j'ai grave la haine parce que mon mari, il était plus là pour voir si son mec, il allait faire le malin. Donc, il a pas filmé. Donc, la tarte de cow-boy qu'elle s'est mangée, on la voit pas. J'ai grave la haine. Et pourquoi j'ai mis une tarte de cow-boy? Parce qu'elle a fait grave la haine. Elle m'a dit, ouais, tu veux quoi? Et elle est folle. Je suis là, je suis en train de manger, je suis assise, elle passe. Elle me dit, tu veux quoi? Mais voilà, elle est folle. Bref, voilà. C'était marrant. Jazz, la balle tringue. Et Jazz, la traite. La traite. Faut pas oublier qu'elle a donné l'adresse à Nadé et son mari. Hein, pour qu'ils aillent faire son mari. Ça, c'est un gros truc de fils de pute. Et en plus de ça, je suis en train de marcher, je grève, s'il vous plaît. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'allais dire? Je lui dis ça. Je lui dis, de toute façon, t'es une traite, t'as pas vu ce que t'as fait à Nadé? Or que Nadé, je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. C'est Myriam. Ni d'Adam ni d'Ève. J'ai juste dit ça, elle avait grave la haine. Je crois que c'est pour ça qu'elle a fait la chose avec moi. Elle m'a dit, ouais, Nadé, tu sais pas ce qu'elle m'a fait, cette grosse pute. Et pourquoi t'insultes les gens, en fait? Pourquoi t'insultes les gens? Moi, je la connais pas, je te connais pas. C'est juste toi, tu m'as mal parlé, donc je suis obligée de te botter. Et encore, je l'ai même pas botté, j'ai mis juste une tarte. Ah, de la chance. Carrément, on m'a envoyé sa story, j'ai regardé moi-même sa story. Eh, c'est Vla, la comédienne. Moi aussi, j'ai 27 ans, j'ai pas le temps de me battre. Je sais pas, je comprends pas, en fait. Le problème est que... La meuf, elle fait quoi? Elle se casse. Bon, après, c'est bon, là, j'ai fini de parler avec elle, elle se casse et tout, nanana. Elle me regarde. Moi, je suis en train de parler avec mon mari et tout, je rigole sur Jazz et tout. Je dis avec mon mari, ouais, avec son faux sac et tout, nanana. Je dis ça pour rigoler, mais elle n'entend pas ce que je dis de loin, tu vois. Après, elle fait quoi? De loin, elle fait, ouais, il y a quoi? Genre, comme une chose. Donc, moi, je me lève de ma place, je vais la voir, je dis, comment ça, il y a quoi, tout ça, nanana. Et comment ça, il y a quoi? C'était un problème. En gros, t'as un problème. Elle me dit, ouais, mais tu rigoles. Je dis, en fait, je fais ce que je veux. Je me dis, je fais ce que je veux. J'ai envie de rigoler, je rigole. Je veux rigoler sur toi, je rigole sur toi. C'est quoi ton problème? T'es qui toi? Pour pas qu'on rigole sur toi. Qui es-tu? Tu vois, c'est ça que je lui ai dit. Après, elle faisait la chaude. Elle est pleine remplie de comme ça avec ses mains et tout. Bref, moi j'étais calme et tout. Je la calculais même pas. Je lui ai dit, t'as vu, c'était un problème. Si on le règle tout de suite, t'as vu, moi je suis pas. Nanana. Après, elle me dit, vas-y. Je sais pas, elle me dit quoi? Elle me dit, vas-y, nanana. Elle avance. Et en même temps qu'elle avance, genre elle se casse, elle me dit, de toute façon, tu vas voir, tu vas pas assumer. Genre, elle va chercher quelqu'un, tu vas voir, tu vas pas assumer. Je dis, comment ça, je veux pas assumer? Et mon mari, il était derrière, tu vois. C'est-à-dire, elle se casse à la plage, ça, c'est vrai. Je la suis. Oui, je l'ai suivie, oui, parce qu'elle m'a dit, tu vas pas assumer. Moi, je voulais voir c'était quoi que j'allais pas assumer. Qui tu vas chercher à la plage? Parce que ses amis, ils étaient assis là-bas, là, tu vois. Ils étaient assis à la plage et tout. Donc, moi, je voulais voir ce que j'allais pas assumer. Je l'appelle, je dis, bah attends, comment ça, je veux pas assumer? Non, non, non. Bref, de là, sur une fin, je dis, quoi, et ta mère, sale pute, hein, moi, qui tu veux, je m'en bats les couilles, je le baise. J'ai grave, là, bref, j'ai grave mal parlé. Les gens, là, les Anglais, ils vont dire, mais c'est une ouf, elle. La meuf, elle fait quoi? Elle s'assoit, voilà, elle appelle, comme je vous ai dit, là, les agents de sécurité. C'est pas de la sécurité, ceux qui surveillent la plage, genre, tu vois. Mais c'est personne, eux, c'est ni la police, c'est rien du tout, tu vois. Bref, elle avait pas d'agent de sécu, rien du tout, nanana. Elle s'est mangée v'là la tarte de cow-boy. Elle est vite partie s'asseoir à sa place. C'est tout. Ça, je sais pas s'il y a des Anglais ou des gens qui étaient à la plage qui ont snappé. S'ils ont snappé, j'aimerais bien qu'ils sortent cette vidéo comme ça. Vous allez voir. Parce que moi, mon mari, il a pas snappé. Il avait pas que ça à faire. Il a juste snappé quand je parlais avec elle. Et après, il était là en mode... Parce qu'il y avait un Depsos avec eux.
son mari, le dog, là, qui était assis, qui faisait rien, il était assis comme un commis. Oh oui, tu passes, t'inquiète. C'est tout. Wesh, bande de baltring fini. Comme tu dis, tu vas à Paris, tu te balades avec des gardes du corps. Mais viens sans tes gardes du corps à Paris, on va voir qui tu es. Baltring va, ok, t'as été une mère de famille, mais moi aussi, je suis une mère de famille. Mais en fait, le respect va dans les deux sens. Si tu me parles mal, je suis obligée de te répondre, tu vois. Je sais pas, je comprends pas. Si tu m'aurais parlé calmement, il n'y aurait pas eu d'histoire. Mais tu parles mal, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Le MDR. Le corps à la meuf, elle fait la meuf plâtrée, cousin. C'est v'là la clocharde. V'là la clocharde, son faux sac. Allez, il parle de son sac, dis-lui qu'elle sorte la facture, que je rigole un peu. Et j'allais dire quoi? Attends, j'allais dire un truc. Ah ouais, le pire, c'était trop marrant, parce que pendant que moi, je t'entends manger au resto, eux, en fait, oui, c'était assis sur la plage, leur axe, je les voyais, tu vois. On se voyait. Et elle faisait montrer à sa copine, ouais, eux, là-bas. Et la meuf, elle voyait pas avec le mec, tu vois. Alors, on faisait comme ça, je leur ai fait coucou. Ils m'ont fait coucou, c'est baltringue. Genre, coucou, ouais, tu nous as cramé. Mais MDR. Le corps, elle est trop marrante. Elle parle de j'ai plus l'âge, de me battre, ceci, cela. Les filles, si vous embrouillez, partez, vous avez des enfants. Et un peu de dignité, en fait. Moi aussi, j'ai deux enfants. Alhamdoulilah, j'ai 27 ans. Mais s'il y a un problème, il y a un problème. Je sais pas ce que tu me racontes, faire le buzz, faire le buzz. Est-ce que je m'en bats les couilles du buzz? Vieille meuf, va. T'es une escroc. T'es une baltringue et t'es une traite. C'est tout, Jazz, la traite. Voilà. Et puis, allez lui dire, hein, moi, chez Willet, son hôtel. Hein. Si elle veut, on se donne rendez-vous tout de suite. Elle n'a pas de sécurité ici, non? On se donne rendez-vous tout de suite devant son hôtel, en bas. On va voir qui est qui va faire quoi, qui ceci, qui cela. Le corps, elle est super folle, cette fille. Voilà, elle est folle. Ouais, on m'a appelée, je préfère m'exprimer avant qu'il y ait une vidéo qui sorte. Inch'Allah, quelqu'un a filmé quand elle se mange une tarte de fils de pute. Et qu'elle est partie s'asseoir. C'est juste ça que je veux. Elle parle de nader et tout. Et quand. Attends, parce que je suis obligée de revenir sur ça. Hein. Quand j'ai dit ouais. Je sais plus, je lui ai dit quoi, on s'embrouille et tout. Je dis de toute façon, t'es une traite. Ce que t'as fait à nader, c'est pas bien de donner son adresse. Or que t'as mangé son sel, tout ça. Et t'envoies l'adresse de chez elle pour que des gens viennent soulever son mari. Est-ce que ça se fait? Eh nanana, c'est pas nader, elle a fait quoi? Nader, c'est une grosse pute. Tout ça, nanana, je dis, moi en fait, je m'en bats les couilles. Ouais, après, elle parle de mère de famille et tout, or qu'elle va descendre une autre mère de famille, Nadé et son mari Marc, je les connais même pas, hein. Je sais même pas c'est qui, j'avais juste vu une vidéo sur eux. Voilà, je les connais ni d'Adam ni d'Ève, mais s'il faut prendre la défense de quelqu'un, je prendrais celle de Nadé, parce que ce qu'elle a fait, Jazz, c'est un truc de fils de pute. Soi-disant, l'a mis à quelqu'un. Comment tu peux donner l'adresse traître de quelqu'un pour qu'ils aillent fumer son mari? Mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Bref, après, elle parlait sur Nadé, nanana, elle a grave parlé sur elle. Pendant 10 minutes, j'ai dit, en fait, je m'en bats les couilles de ce que tu me racontes sur Nadé. Je la connais même pas, en fait. Elle me connaît pas, je la connais pas. Je sais pas ce qu'on raconte. En fait, je vous explique. Là, elle admettra jamais qu'elle s'est mangé une tarte. J'ai vu sa story. Elle l'admettra jamais. Pourquoi? Madame fait la chaude colle avec ses dogs, tu vois. Quand elle a ses gardes du corps, elle fait la chaude. Elle s'est excitée. Non, je vais te niquer ta mère, tout ça. Elle s'embrouille avec les gens quand elle essaie. Quand elle est avec ses gardes du corps, là, ils étaient pas là. Elle en a pas. T'as capté? Donc, elle a fait sa baltringue et maintenant elle fait une vidéo pour dire oui, moi, que ta mère, Jazz, ou non.